andando apasionada todo el tiempo. No me importa casi nada porque digo lo que siento y cuando digo que te quiero lo hago con amor sincero que se entere el mundo entero que hoy te quiero para mí. Tal vez soy complicada, soy peor enamorada y ya me enamoré de ti. Quand je l'ai rencontré, je lui ai expliqué que j'étais fou, désespéré de ne pas trouver la femme que j'aimais. Il savait que c'était toi et il n'a rien dit. Et il a tout fait ensuite pour nous séparer. Je te crois pas. Renan serait incapable de faire une chose pareille. Ça, c'est ce que tu crois? Oui. Quand il m'a invité à cette fête chez lui, il l'a fait dans un but très précis. Notre rencontre n'était pas le fait du hasard. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? C'est impossible! Je peux te jurer sur ce que j'ai de plus cher au monde que c'est la vérité. Cet homme a retardé notre rencontre jusqu'à ce que ça l'arrange de nous mettre face à face. Dis-moi une chose, Estrelita. Tu quitterais le docteur si je quittais Kathleen? Ne commence pas avec ça. Ça fait beaucoup. Va-t'en. Va-t'en, s'il te plaît. Je vous ai dit 100 fois de ne pas venir dans ma chambre. Vous êtes sourd ou quoi? Je suis vraiment désolé de t'embêter autant, mais je voudrais te demander quelque chose à propos de mon petit-fils, Titouan. Je ne sais rien au sujet de ce gamin. Comment ça? Tu ne t'es pas rendu compte que ce gosse quittait la maison? Il ne t'a pas dit où il allait? Une petite question. J'ai une tête de gouvernante ou quoi? Je ne l'ai pas vu sortir et il ne m'a pas dit où il allait. Alors sortez d'ici! Je ne supporte pas votre présence. Est-ce que c'est clair? Mais enfin, tu n'as aucune raison de me traiter de cette manière. Que ça te plaise ou non, c'est comme ça. Je suis ton père. Grâce au ciel, je ne me souviens pas que vous êtes mon père. Ni qui que ce soit. Dehors. Sortez d'ici. Oust! Oh. Céline, Céline! Titouan? Quelle surprise! Comment tu vas? Bien et toi? Oh Titouan, je suis si contente de te voir. Je suis si contente. Moi aussi. Oh, viens faire un câlin, vite. J'ai de la chance de te rencontrer. Moi aussi. Je m'inquiète beaucoup pour Titouan, Antoine. Ce que je ne comprends pas, c'est comment il s'est perdu. Oh, mais ce pauvre Manuel est littéralement fou d'inquiétude. Il dit que Titouan a quitté la maison du capitaine Candilis et que personne ne s'en est aperçu. C'est affreux dans une ville de cette taille. Un enfant seul dans la rue est exposé à tous les dangers. Espérons que la police le retrouve bientôt. Oui, il faut l'espérer. Quelle surprise de te rencontrer ici par hasard. Qu'est-ce que vous venez faire ici en ville? Eh bien, on est venu chercher ma maman, tu sais. Regarde, je l'ai dessinée pour la retrouver plus vite. Mais ça n'a rien donné. Tu ne l'aurais pas vue? Non, Titouan. Et où est-ce que vous habitez, Manuel et toi?
On habite chez Victor Emmanuel. Mais je suis sortie. Je connais pas l'adresse. Je suis perdue, je suis pas rassurée. On va bien trouver une solution. Maintenant, je viens à peine d'arriver à la capitale. Ma cousine m'a prêté sa maison, tu sais. Elle a dû quitter Mexico, mais elle me laisse rentrer chez elle. On fait ça? Quoi? Je t'emmène chez elle. Je vais vivre avec toi? Non, juste pour une nuit. Pour que tu ne passes pas la nuit dehors et qu'il ne t'arrive rien, Titouan. Et demain, on verra comment on s'y prend pour retrouver ton grand-père, d'accord? Merci, Céline. Le plus important, chérie, c'est que tu sois en sécurité, d'accord? Je vous attendais. Un problème avec Corail? Elle va très mal. Son état ne fait qu'empirer, elle pourrait devenir dangereuse. Je crois que vous devriez la faire interner dans un hôpital psychiatrique. Je ne veux pas rester enfermée dans ma chambre. Je dois savoir ce que Renan est en train de dire à Victor Emmanuel. Étant son médecin, vraiment, je peux vous dire que ses troubles sont très graves. On peut la déclarer mentalement incapable. Elle doit être internée. Mais alors dites-moi, où souhaitez-vous que nous la placions? Pour ce genre de cas extrêmement sérieux, le mieux c'est une institution avec une sécurité renforcée. Pour des patients potentiellement dangereux. Vous suggérez d'enfermer Kathleen dans un asile de fous? Vous devez songer aux avantages. Elle aura des soins spécialisés, une surveillance permanente. Vous n'aurez plus à craindre que quelque chose d'irréparable ne se produise. Vous pourrez aller la voir une ou deux fois par semaine. Bon, enfin, suivant son évolution. Dites-moi, docteur, c'est vrai que vous recommandez à Victor Emmanuel de la faire interner dans un asile de fous? Je crois que si vous la gardez dans cette maison, elle pourrait s'avérer être un danger pour vous autres. Si on l'hospitalise, vous vivrez plus tranquillement et l'avantage, c'est qu'elle aura une meilleure attention médicale. Hein? D'accord. Victor Emmanuel, vous décidez. Où est-ce qu'on va? Ah, tu verras, Titouan. On y est presque. N'aie pas peur, tu vas rester avec moi cette nuit et demain matin, on ira au commissariat, d'accord? On dira à la police que tu es perdu et ils retrouveront ton grand-père, ok? Pas la police, non. Céline, je risquerai d'avoir des problèmes pour être sortie de la maison sans autorisation. Viens là, mon amour. C'est pas bien ce que tu as fait. Alors si tu te fais remonter les bretelles, tu souffriras en silence. Mon cœur, ne m'en veux pas. C'est le seul moyen pour retrouver ton grand-père, tu comprends? Je comprends. Allez, viens. On y va. Rappelez-vous ce qu'on s'est dit la dernière fois. Mmh. Oui, Avril ne doit pas le savoir. Elle s'inquiéterait beaucoup. Elle adore Titouan. Si elle apprenait ce qui lui arrive, elle en souffrirait et ça ne servirait à rien qu'elle le sache. Les provisions, papa. Merci, chérie. Tiens. Et puis, fais attention à toi, mon amour. Au revoir. Prends soin de toi, papa. Toi aussi, chérie. Oui, merci. Allez, on y va. Tu sais, fiston, si le docteur de Montebois te conseille de faire interner Corail dans un sanatorium, tu devrais l'écouter. Non, allons la faire interner, la placer dans une maison de fous. Dans une maison de fous avec des fous furieux, c'est un peu excessif, non? Victor Emmanuel, mon amour, j'ai reconnu ta voix. Pourquoi tu n'es pas monté me voir? Je me sens mal. Je me sens angoissée. Dans ces moments-là, j'ai besoin de toi comme jamais, s'il te plaît. Prends-moi dans tes bras, serre-moi fort, Victor Emmanuel. Viens, parce que je me calme-toi, sens... Calme-toi, Kathleen. Parce que je me sens mal. Calme-toi, ne t'énerve pas. Ne me laisse pas tomber, j'ai tellement besoin non, de toi, Victor ne Emmanuel, crains rien, s'il te reste plaît. Calme. Je ne vais pas te laisser tomber, Corail. Je suis nerveuse. Je ne vais pas te laisser tomber, Kathleen. Je ne te laisserai pas tomber. Sois tranquille, mais tu dois te reposer et ne pas t'énerver. Pourquoi tu ne demandes pas à dormir quelques heures? Manuel.
Non, toi, accompagne-moi, je te le demande, s'il te plaît. Je vais être avec toi juste un instant, un petit moment, tu veux bien? D'accord, mais juste un moment. Oui. Je dois partir à la recherche de Titouan. Oui. Allez, oui. Viens. Ne me lâche pas, s'il te plaît, ne me lâche pas. C'est parce que je suis tellement stressée. Je ne reste pas longtemps, je dois aller chercher Titouan. Ça ne fait peine à voir. La pauvre enfant, elle est anxieuse, ça ne tourne pas rond là-dedans. Elle est si amoureuse de Victor Emmanuel. C'est vrai. Dites, Manuel, à mon humble avis, elle est bien loin d'être aussi folle qu'elle veut bien nous le faire croire. Tout ce qui l'intéresse, c'est que mon fils s'apitoie sur son sort, docteur. Il y a des fois, tenez, imaginez, elle l'appelle Victor Emmanuel. Et d'autres, Robert. C'est une manipulatrice de la pire espèce. Ne me dites pas le contraire. Ne dites pas ça. Enfin, Rose, cette pauvre enfant est bel et bien souffrante. Elle a besoin de notre Manuel. Amour, de notre soutien pour recouvrer la santé. C'est quand même pas compliqué, bon sang. Oui, eh bien, moi, je ne suis pas dupe. C'est juste pour une nuit. Demain, à cette heure-là, tu seras avec ton grand-père. Merci d'être aussi gentille avec moi, Céline. Et de ne pas m'avoir laissé tout à l'heure, tout seul dans la rue. Oh, mais comment j'aurais pu t'abandonner, mon amour? Personne n'aurait le cœur de laisser un petit garçon tout seul dans la rue. Et surtout toi. Bon, tu sais quoi? Je vais enlever mes chaussures parce que j'ai trop mal aux pieds. Pitbull? Mais comment ça? Vous voulez vraiment faire interner Kathleen? Dans un asile de fous, c'est ça? Oui, non, vous ne croyez pas qu'il vaudrait mieux la soigner ici, au lieu de l'enfermer toute seule, cette gamine? Je vous ai expliqué qu'elle pourrait s'avérer dangereuse pour vous. Pour moi, bien sûr, ce serait la solution de facilité de choisir l'internement. Mais j'ai trop de compassion pour me débarrasser d'elle de cette manière. Oui. Maman. Manuel. Oui. Cette pauvre femme est toute seule dans la vie. Elle n'a personne d'autre. Personne qui veille sur elle. Je suis convaincu que si elle est entourée d'amis, il pourra se rétablir. Je vous l'ai dit, Victor Emmanuel. Vous êtes le seul à pouvoir décider. Seulement, n'oubliez pas de rester sur vos gardes. Dites, docteur. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Il se pourrait que lors d'une crise, Corail retourne sa violence contre elle-même, par exemple. Ou contre n'importe lequel d'entre vous. Dieu du ciel. Et alors? Vous la croyez capable de nous agresser? Absolument, oui. C'est pour ça qu'elle doit être surveillée en permanence. Il faut l'avoir à l'œil. Corail pourrait avoir une explosion de violence et dans ce cas, elle n'est pas maître de ses actes. Si vous voulez bien m'excuser, je dois y aller, j'ai des rendez-vous. Au revoir, docteur. Je vous en prie, docteur. Je suis sûre qu'ils parlent de moi. Ils sont tous contre moi. Tous. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai ce que m'a dit Victor Emmanuel? Et comment je pourrais le savoir? Lui et moi, on a beaucoup discuté. De quoi tu parles? Il m'a dit que tu savais que c'était moi la femme qu'il recherchait. Il m'a dit aussi qu'il t'avait expliqué à plusieurs reprises à quel point il aimait cette femme. Et qu'il ferait n'importe quoi pour la retrouver. Tu savais que cette femme, c'était moi, Renan. Tu l'as pas invitée à cette fête chez toi par hasard. Tu avais tout calculé pour qu'on se rencontre de cette manière. C'est vrai? Réponds-moi! Oui. C'est vrai. Comment c'est possible, Renan? Comment t'as pu me faire une chose pareille? Alors que quand je te parlais de l'homme dont j'étais amoureuse, de l'homme qui m'a tant fait souffrir, tu savais que c'était lui. Tu nous as manipulés comme des pions. Attends, Estrella. Ne m'accuse pas avant de savoir à quel point tu es injuste, s'il te plaît. Tout ce que je sais, Renan, c'est que tu m'as menti. T'as menti à Victor Emmanuel et à moi. Tu dois d'abord écouter ce que j'ai à dire. Explique-toi. Eh bien, au départ, je me doutais de rien. J'ai réalisé par la suite, quand un jour, Victor Emmanuel m'a parlé de Cécilia. Mais tu me l'as caché.
Tu t'es tue pour que je me confie à toi? Pour me séduire alors que tu savais à quel point je l'aimais? Tu t'es tue pour que je tombe dans tes bras, j'en suis sûre. Non, non, écoute-moi. Tu te souviens quand je t'ai demandé si tu aimais toujours cet homme? Je t'ai demandé, si tu apprends qu'il te cherche partout et que tu peux aller le retrouver, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en rappelles? Tu te souviens de ta réponse? Tu m'as dit que tu ne voulais plus jamais le revoir, qu'il ne t'intéressait plus, que non, tu ne l'aimais plus, que le seul sentiment qui te restait, c'était de la rancœur. C'est vrai ou pas? Tu n'as pas le droit de me dire que je n'ai pas été honnête avec toi. Si tu m'avais avoué que tu étais toujours amoureuse, tout aurait été bien différent. Mais j'ai quand même provoqué votre rencontre. Et ça n'a servi à rien puisqu'il est avec une autre. Et pour ton information, il ne quittera jamais Corail. Jamais. Je te retourne la question. Qu'est-ce que vous êtes venu foutre dans cette maison? Ingrid m'a confié sa maison pendant son absence. Ma Célinette, je te signale que ta cousine et moi, on a eu une aventure il y a 3 ans, quand elle t'a rendu visite à la plage des étoiles. Et alors? Ça ne te donne pas le droit de squatter chez elle, non? Ah, mais détrompe-toi, parce que figure-toi que ta cousine n'arrêtait pas de m'inviter. Je n'ai jamais pu jusqu'à maintenant. Comme la porte était fermée, j'ai forcé la serrure et me voilà. Ben figure-toi que tu peux pas rester parce que j'ai quitté le village et que je m'installe ici parce que c'est ma maison, parce qu'Ingrid me l'a confiée. Ah oui? Eh bien, on va voir qui va virer qui. Tu étais en prison et tous les gens au village étaient sûrs qu'ils te garderaient enfermé. Moi, tu l'as fait en sale gosse! Je t'ai dit de laisser tranquille! Ouais, 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 c'est bon, c'est bon! Dis-toi un raison! Je me suis tiré de tôle et j'ai les flics au cul, tu vois? Alors maintenant, vous la fermez tous les deux. Vous la fermez! Bon, écoute. Pour Titouan et pour moi, c'est dangereux que tu sois là. Tu dois t'en aller. Ne sois pas sotte, Céline! Ne sois pas sotte! Écoute, je n'ai pas d'endroit où aller. Et comme nous allons devoir vivre sous le même toit, s'il vient à l'esprit de l'un de vous deux de me trahir ou d'ouvrir sa gueule, vous voyez ses mains, elles vous tordront le cou jusqu'à ce que vous creviez. Est-ce que c'est clair pour tous les deux? Oui, je vais retourner au commissariat. Je vais voir s'ils ont des nouvelles de Titouan. Mais chérie, le commissaire a dit qu'il te téléphonerait s'il apprenait quelque chose. Oui, maman, mais tu sais comment ils sont. Il faut leur mettre la pression. Oui, tu as raison. Alors tu l'accompagnes, Manuel? Pour leur éviter de perdre trop de temps. Attendez, moi, je préférerais... Quoi? Rester ici pour prendre soin de Kathleen. Mais voyons, Manuel, comment peux-tu préférer rester ici pour t'occuper d'une étrangère? Au lieu d'aller voir s'ils ont découvert quelque chose au sujet de ton petit-fils. Eh bien, parce que mon petit-fils, il est recherché par la police. Maman. Manuel est juste désespéré. Il est désespéré? Oui, il est désespéré. Alors il reste ici. Mm-hmm. Donc c'est moi qui t'accompagne. Oui, accompagne-moi. Bon, écoute, Manuel, attention à Kathleen. Tu as entendu ce qu'a dit le docteur? Mais oui, bien parce sûr. Elle pourrait se faire du mal à elle-même ou à n'importe quelle autre personne. Oui. Non, ne vous inquiétez pas. Je... Allez, vous pouvez y aller sans vous inquiéter, tranquille. Allons-y. Je reste ici et je la surveille. Ça ira. Au revoir. Au revoir. Personne ne doit découvrir que Kathleen est ma fille. Elle a déjà fait beaucoup de tort. Je ne peux révéler ce secret à personne. Céline, je veux que tu te débarrasses du gosse. Laisse-moi passer. Demain, il ne sera plus là. Je ne pouvais pas l'abandonner dans la rue. Il s'était perdu en cherchant sa mère. Il croit que c'est une sirène. Ce gosse est demeuré. Comment ça, une sirène? Ce gamin n'a pas de mère. Il n'en a jamais eu. En fait, la fille de Manuel, elle lui a mis dans les bras. Le petit venait tout juste de naître. C'est précisément pour ça que Manuel l'a emmené dans cette ville, dans l'espoir de retrouver sa mère. Et toi, tu viens oublier ton sergent infidèle, je me trompe? Ne me parle pas de Carlos. Ça me rend trop malheureuse. J'en ai rien à faire de ton histoire avec Carlos. Ce gosse, il faut que tu me le bazares, tu as compris? Qu'est-ce que tu veux dire au juste? Que ce gosse attire beaucoup trop l'attention. Et que je n'ai pas envie que les flics me reprennent et me renvoient en tôle. Écoute, je dois l'emmener au commissariat pour qu'il retrouve Manuel. Il n'en est pas question! Tu peux pas faire ça, Céline! Ce gamin pourrait me balancer. Et je ne peux pas me le permettre. Il reste ici. Je vais réfléchir à ce qu'on va faire de lui. Restez tranquille. Thank you.
Kathleen, ma chérie. Je peux monter? Nom de nom. Où est-elle? Mais comment? Un moment d'inattention et Kathleen s'est sauvée. Mais depuis quand? Mais par où est-elle sortie, bon sang? Dieu du ciel. Pourvu qu'elle n'aille faire de mal à personne. Pourvu qu'elle ne blesse personne. Violette. Violette, je suis rentrée. Victor Emmanuel n'a jamais cessé de me chercher. Même s'il vivait avec cette garce, il n'a jamais cessé de me chercher. Voilà. Donc on ne sait toujours pas où est Titouan et la police n'a aucune nouvelle. Pauvre gosse. Espérons que sa vie ne soit pas en danger. Non. Titouan est débrouillard.